Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like pour me soutenir et faire évoluer la chaîne YouTube. Et bienvenue tout le monde, c'est HippoGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Minecraft Pocket Edition. Et regardez, les command blocks sont arrivés dans la nouvelle version de MCPE. Elle est en bêta, donc c'est la Alpha 1.0.5. Donc je vous la mettrai le lien en description pour pouvoir la télécharger. Bien sûr, il faut un appareil assez puissant quand même. Si jamais vous avez un Android assez ancien, bah je ne pense pas que ça fonctionnera. Mais essayez tout de même. Regardez, aujourd'hui on se retrouve, il y a des command blocks. Donc c'est vraiment super, ce n'est pas un mode, on peut vraiment accéder. Regardez, voilà, on peut aller dedans, c'est l'interface de Minecraft. Je savais pas que c'était possible d'avoir un command block dans un Minecraft, et je vais vous montrer tout de suite comment pouvoir vous le give. Donc c'est très simple, vous allez aller dans le chat comme ceci et vous allez faire slash give comme ceci. Voilà, vous allez faire arrobas a, voilà, pour cibler tous les joueurs, et vous allez mettre command block comme ceci. Donc la commande sera dans la description. Et vous faites suivant, et là vous avez les command blocks et vous pouvez en poser partout, etc. Et même si vous voulez vous give les autres command blocks, donc vous pouvez faire encore une fois slash give comme ceci. Voilà. Alors attendez, hop, slash give, voilà. Vous allez mettre arrobas a comme ceci. Et là vous avez tous les types de command blocks en mettant slash command block comme ceci. Voilà. Et là vous avez tous les types de command blocks, donc il y en a 4, donc ça c'est vraiment parfait. Ou alors vous pouvez directement en placer quelques-uns et changer directement dans le menu ici, chain par exemple, et là il va se transformer en vert, ou ici, hop, repeat, comme ceci, et sera mauve. Donc c'est vraiment stylé. Donc pour le moment on peut pas encore les utiliser, ces command blocks, c'est juste des, on va dire, des blocs qui existent vraiment, donc vraiment une entité avec une texture pour les command blocks tout simplement, mais la fonctionnalité des commandes etc ne fonctionne pas encore. C'est vraiment dommage. Regardez, donc ici c'est game mode 0, hop, et ça ne fonctionne pas quand je l'active etc. Donc voilà, je pouvais même modifier ici par exemple la commande, hop, si je mets commande game mode 0 comme ceci, voilà, hop, la commande va être définie et je ne peux toujours pas l'activer. Donc voilà, ça c'est vraiment un problème. Donc là, même si c'est marqué need redstone etc, conditionnel etc, ça fonctionnera pas. Donc ça c'est vraiment dommage. Pour le moment, on peut pas encore les activer, mais ça va arriver. Donc c'est juste la première bêta, la version 1 de la 1.0.5. Donc voilà. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher vos plus gros pouces bleus. On va essayer d'atteindre les 100 pouces bleus sur cette vidéo pour les command blocks qui viennent d'arriver dans MCPE. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était HippoGamer172. Allez, bye tout le monde.